Merci beaucoup. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés dans l'état de Delta en ce moment. Comme notre leader l'a dit, j'ai commencé à venir dans l'état de Delta, dans cette partie du Nigeria, depuis 112, même avant même que la vie profonde ne commence. Nous étions allés, nous avons visité plusieurs endroits. Et mes expériences de Delta, j'en ai raconté l'histoire sans mentionner. Maintenant, nous sommes là, dans l'état de Delta. Nous avions beaucoup visité ce lieu. On allait de lieu en lieu. Comme la sœur Bi, c'est sœur Béatrice en question. Nous évangélisions et nous sommes allés dans un village. Et cette femme, je vous ai raconté l'histoire à plusieurs reprises. Mais c'est dans l'état de l'état. Elle tournait autour d'un canari qui était renversé. Et la sœur Béatrice a dit, évangélisons cette femme, disons-le d'arrêter. J'ai dit non, ne soyez pas pressés. Elle a fini et nous l'avons observée. Elle a fini, j'ai dit, madame, qu'est-ce que tu fais? Comme si je ne savais pas. Elle dit, ah, j'adore mon Dieu. J'ai dit, ton Dieu? J'ai dit, le garçon était paralysé et qui regardait la maman en train de tourner autour du canari vide parce que les dieux de ce monde sont vides. Alors j'ai dit, regarde ce que ton Dieu a fait à ton enfant. Et je vais te présenter le vrai Dieu, notre Seigneur Sauveur, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Si tu crois en lui, il va guérir ton enfant. Elle a dit, non, 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 il faut prier pour mon enfant d'abord. Ensuite, si l'enfant se lève, je vais jeter le Dieu. J'ai dit, non, je suis un enseignant. Je dis à mes élèves ce qu'ils doivent faire. Ce ne sont pas mes élèves qui me disent ce qu'il faut faire. Après avoir discuté par-ci, par-là, la femme a pris le canari. Il n'y avait rien sous le canari. Rien du tout. C'était un canari vide. Je n'ai même pas besoin d'un interprète. J'ai dit, au nom de Jésus, garçon, lève-toi. Comprenez. Le garçon ne comprenait pas l'anglais. Moi, je ne comprenais pas sa langue locale. Et j'ai parlé dans une langue qu'il n'a même pas compris. Je ne parlais pas au garçon, je parlais au Dieu qui comprend toutes les langues. Et quand j'ai dit, lève-toi, le garçon m'a regardé et puis bam, il s'est levé. Et nous avons évangélisé et nous avons parlé de Christ à la dame. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, et ton mari? Elle m'a dit, il est allé au champ. J'ai dit, nous allons attendre. En attendant, on lui a donc fait les leçons du disciple. Finalement, l'homme est venu. J'ai dit, est-ce que c'est toi le père de ce garçon? Il dit, oui. J'ai dit, ce que Jésus a fait à ton garçon. Mais que maintenant, ta femme naît de nouveau. Ton enfant a connu Christ maintenant. J'ai dit, maintenant vous comprenez. On parle il y a longtemps, hein. Je n'avais pas encore étudié la communication à l'époque et la seule chose que je pouvais dire, tu es la seule chèvre. Il dit non, je ne serai pas la chèvre. J'ai dit alors, je ne suis pas le bouc, mets-toi à genoux. Et nous avons prié et il a donné sa vie au Seigneur. Et Christ a été établi dans ce foyer-là. Et depuis ce temps-là, je vais passer par là au Nigeria, en Afrique et au-delà du monde. Et l'onction m'a accompagné partout. Et aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de vous transmettre cette onction. La main levée là-bas, Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu visites ton peuple, je prie. Que la parole parvienne à chaque cœur et transforme chaque vie. Je prie l'onction qui demeure, l'onction croissante,
L'onction puissante et forte avec des signes et des prodiges viennent sur chacun en ce jour au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre tout notre corps à ce que tu as pour chacun de nous en ce jour au nom de Jésus. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, Dieu nous apporte quelque chose. Nous allons bâtir. Nous partirons de la fondation et nous allons passer au niveau supérieur, ainsi de suite. Et dès que nous aurons fini le mardi, vous serez des ministres transformés, des professionnels transformés au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'onction permanente pour les ministres qui croient en la Bible. L'onction permanente pour les ministres qui croient en la Bible, des ministres bibliques. L'onction est comme le carburant que vous mettez dans le véhicule. Vous voyez le véhicule? Et le véhicule est très propre et en bon état. Alors, le fabricant a dit que ce véhicule est très neuf. Si vous prenez soin avant qu'il n'ait un problème, il va faire peut-être 3000 et quelques kilomètres. Alors, vous lavez le véhicule, mais si vous mettez le bon carburant dedans et vous faites l'entretien, tout va. Alors, le fabricant a donc le droit. Il a dit que ça va continuer à marcher. Mais si vous mettez un carburant de faible qualité, de mauvaise qualité, pour faire fonctionner ce véhicule-là, ça ne va pas continuer longtemps. Est-ce que c'est leur faute? Est-ce qu'ils ont mal fait leur calcul mécanique? Est-ce qu'ils avaient tort? Non, c'est vous qui n'avez pas le bon carburant dedans. Ce bon carburant, non, la terminologie chrétienne, et pour le ministère, est l'onction. Lorsque vous mettez l'onction, quand l'onction est là, et Dieu met l'onction en vous, alors vous allez courir, vous ne serez pas fatigué. Vous allez marcher, vous ne serez pas épuisé. Et partout vous irez, cette onction va continuer à fonctionner. L'onction permanente pour les ministres qui croient en la Bible, pour les ministres bibliques. L'onction que nous avons, ce qui marche et qui vient à travers Jésus-Christ, vient sur ceux-là qui croient en la Bible, qui acceptent la Bible, ceux qui vivent par la Bible, qui prient par la Bible. Toute onction hors de la Bible est une mauvaise onction. Vous ne tenez pas sur la parole de Dieu pour vivre, vous ne croyez pas en Dieu. Vous laissez la Bible, vous laissez la parole, vous laissez la révélation de la Bible et vous courez chercher l'onction quelque part. N'importe où vous êtes allé trouver une telle onction hors de la Bible, contrairement à la Bible, qui ne se trouve pas dans la Bible, cette onction est des ténèbres, des puissants des ténèbres. Et cette onction ne fera pas l'œuvre de Dieu telle qu'elle doit. Vous devez décider. L'œuvre que je fais, est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? D'accord, si je fais l'œuvre de Dieu, il nous a donné la Bible, il nous a donné sa parole, et il dit de cette parole, lis cette parole, crois en cette Bible, applique cette parole, obéis à cette parole, prêche cette parole, et l'onction va confirmer la parole qu'il nous a donnée au nom de Jésus. Alors, ministre, le mot ministre veut dire, lorsque nous disons que tu es ministre, tu donnes quelque chose. Tu donnes le pain de vie, tu donnes la parole de Dieu, tu donnes ce dont les gens ont besoin et que le ciel a pourvu pour eux. Si tu dis que tu es ministre et tu es assis et tu ne donnes jamais rien, tu ne fais rien et tu ne touches pas la vie des gens, tu ne touches pas les familles, tu ne touches personne, tu ne transformes personne. C'est comme un chauffeur qui n'a jamais conduit un véhicule pendant les 5 dernières années. Il a son permis. Oh, je suis chauffeur. Est-ce que tu conduis? Non, pas maintenant.
Tu n'es pas un chauffeur, un nageur qui ne nage jamais, un coureur qui ne court jamais. Un ministre doit prêcher et tu dois avoir ce que tu prêches aux gens. Tu dois connaître ce que tu prêches. Tu dois connaître ceux, tu connais leurs besoins et tu conduis les gens avec leurs besoins. Tu les connectes à ceux dont ils ont besoin et je crois à partir de ce jour, un nouveau ministre. Un ministre plus élevé. Et nous parlons donc, comme je l'ai dit, l'onction permanente pour les ministres qui croient en la Bible. Nous allons voir. Proverbe 1. Proverbe 1, 23. Proverbe 1, 20, 23. Il dit, venez à moi, tournez-vous vers moi et je vous ferai connaître ma parole. Vous voyez dans ce verset-là, deux choses. Le Saint-Esprit et la parole et vont de pair. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Voyez les deux choses, mon esprit et parole. L'esprit et la parole vont de pair. Et la parole vient comme une flèche par l'esprit dans le cœur des gens pour apporter le changement. Ésaïe. En Ésaïe 59, 21, 59, 21, parlant de l'esprit de la parole. Ésaïe 59, 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose, voyez cela encore, mon esprit, le Saint-Esprit, qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il nous fait comprendre donc la parole et l'esprit. Les Écritures et l'esprit. Vous voyez, il y a des gens qui disent j'ai besoin de l'esprit, j'ai de l'esprit. Ils courent, 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 prient, 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 jeûnent. Ils vont sur des montagnes, ils vont dans la vallée. Qu'est-ce que tu cherches? C'est l'esprit. Est-ce que tu as amené ta Bible avec moi? Non, l'esprit. Est-ce que tu lis la Bible? Non, l'esprit. Est-ce que tu crois à la parole, à la prophétie, aux promesses, à la proclamation? Non, l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. L'esprit marche avec les Écritures. Et les Écritures sont affirmées, confirmées par l'Esprit. Ainsi donc, nous avons les deux. Et c'est ce que le Seigneur dit. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'éloigneront pas. Voyons 1er Jean au chapitre 2, 27. En 1er Jean au chapitre 2, verset 27. Il nous parle de l'onction que vous avez reçue. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction, le Saint-Esprit, l'onction que vous avez reçue de lui. Il y a des lieux où les gens vont, ils imposent, on leur impose les mains, ou bien se couchent par terre, ou quelque chose qu'ils font. Mais ce n'est pas de lui. Tu as l'homme qui vous transfère l'onction. Est-ce que tu me parlais de sa nouvelle naissance? Non, je ne veux pas savoir. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est l'esprit, l'esprit. Et tu leur demandes, quelle transformation Christ a-t-il apporté dans ta vie? Tu te dis que tu es un croyant et que tu distribues cette onction-là. Est-ce que tu me donnes la date, le moment et comment tu es devenu un vrai enfant de Dieu en suivant le Seigneur? Non, tu n'arrives pas à le dire. Est-ce que tu me parlais du changement? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, ils ne peuvent rien dire de cela parce qu'ils vivent comme ils vivaient toujours. Et ils ne peuvent pas donner le jour, l'heure, le moment où l'évangile leur est parvenu. Et quand ils ont reçu cette expérience de la nouvelle naissance, s'ils disent qu'ils sont nés de nouveau, quand est-ce que tu es né de nouveau? Oh, j'étais né en telle année, il y a combien d'années maintenant? Il y a 37 ans maintenant. Après les 37 ans, dis-moi, quelle amélioration as-tu eu?
Est-ce que tu grandis dans le Seigneur? Non, je tombe, je me lève, je tombe, je me lève. Chaque année, je me lève, je tombe, je me relève. La même fornication revient encore. Et ils ne comprennent pas. Après être sauvés, il y a Jésus-Christ qui a fait cette prière. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et il dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, pasteur, ce mot sainteté-là, ah, ça, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux voir le Seigneur si tu n'as pas cette expérience qui nous conduit au ciel? Dieu est saint, Christ est saint, le Saint-Esprit est saint, et le ciel est saint, les anges sont saints, et les rues de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, tout en haut là-bas est saint. Et maintenant, te voici sur la terre, tu ne connais même pas le premier alphabet de la sainteté. Comment peux-tu être là-bas? Nous devons croître dans le Seigneur. L'onction dont nous parlons, ce n'est pas une onction isolée. L'onction dont nous parlons n'est pas une onction qui, pour trembler, pour guérir les malades. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, en ce dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom l'onction? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses, des œuvres merveilleuses en ton nom l'onction? Et en ton nom, nous avons chassé des démons. Ça, c'est l'onction. Mais si cette onction est isolée, le Seigneur dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'onction sans la transformation de vie ne peut pas nous amener nulle part. L'onction sans changement, sans que nous soyons de nouvelles créatures en Christ, ne nous amènera nulle part. L'onction chasser les démons, guérir les malades, accomplir des prodiges, sans avoir le cœur qui est purigé, le cœur qui est purifié, sans avoir le cœur qui est sanctifié, et nous avons cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'onction séparée de la sainteté, l'onction séparée de la vie pure, l'onction séparée d'une vie qui fait d'impact autour de nous, les gens pourront dire, oui, il a été avec Christ, elle a été avec Christ. Je prie que tu ne sois que tu ne t'attaches pas à une onction isolée, mais une onction permanente pour les ministres qui croient en la Bible. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la Bible, deux points. Instruction de base avant de quitter la terre. La Bible, vous savez, la Bible, quand vous regardez la Bible, ce que nous avons dans la Bible, en anglais, le mot Bible c'est Bible, mais en anglais ça fait instruction de base avant de quitter la terre. Si quelqu'un qui quitte cette terre sans avoir les instructions de base, l'instruction de base sur la nouvelle naissance, instruction de base sur une nouvelle vie, instruction de base sur la vie éternelle, instruction de base sur comment vivre à la gloire de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pas les mauvaises œuvres, pas votre mensonge, pas l'ancienne nature. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Instruction de base avant de quitter la terre. Deuxième point. La Bible, deux points. Un livre inspiré béni qui élève le monde. Ça, c'est la constitution du royaume de Dieu. C'est ce que nous avons pour aller prêcher aux gens. Nous leur envoyons un livre inspiré béni qui élève tout le monde. Ça, c'est le livre qui conduit le pécheur à devenir saint. C'est le livre qui élève le faible. C'est le livre qui nous fait sortir de là où nous étions par le passé pour être là où nous devrions être dans l'avenir. La Bible, un livre inspiré, béni, qui élève tout le monde. Troisième point, la Bible, deux points, un instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées. Quand vous rentrez dans la Bible, quand vous enterrez dans la Bible, quand vous lisez ce livre, quand vous voyez les promesses qui s'y trouvent, les proclamations qui sont là-bas, quand vous voyez les préceptes qui s'y trouvent, quand vous voyez les prophéties là-bas, cela vous élève, ça vous bâtit, ça vous accorde des expériences illimitées.
L'imiter du salut, expérience du salut, c'est la première chose, ce n'est pas tout. Expérience de la sanctification, ça c'est deuxièmement, ce n'est pas tout. L'expérience d'être rempli et baptisé et immergé dans le Saint-Esprit, pour que tout ce qui est en vous, que ça fonctionne comme ça doit fonctionner, les expériences que nous devrions avoir, et ça ne faillit pas, parce que Dieu est illimité. Les expériences que nous pouvons avoir de la part du Seigneur sont également illimitées. Et nous devons obtenir ça de la BIBLE. Un instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées. Voyons maintenant le premier point. Le premier point, la Bible, deux points. Instruction de base avant de quitter la terre. En Jean au chapitre 5, lisons à partir du verset 39. En Jean chapitre 5, lisons à partir du verset 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Nous sondons les Écritures, nous lisons ces Écritures et nous comprenons ces Écritures. Nous examinons, nous l'étudions, nous la connaissons afin qu'elle apporte la vie éternelle dans nos vies. En Luc au chapitre 16, je vous lis le verset 22, Luc 16, 22. Il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Comment sauras-tu qu'il y a le sein d'Abraham? Comment sauras-tu qu'il y a le paradis? Comment sauras-tu qu'il y a le paradis sans la Bible qui te le révèle? Tout ce à quoi tu vas penser, oh, c'est des devinettes. Tu vas penser que le monsieur est mort, il meurt comme un animal, il ne va nulle part. Et c'est donc quelque chose que tu peux gagner sur cette terre, c'est ce que tu veux avoir. Non, c'est la Bible qui nous donne les instructions de base. Que cette vie terrestre n'est pas tout. Que cette vie terrestre, lorsque nous aurons fini ici-bas, nous irons dans l'au-delà. Et on nous parle de ce mendiant pauvre qui est allé dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23, on nous dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Comment sauras-tu que la vie sera meilleure pour le mendiant qui croit au Seigneur ici-bas, quand il sera dans l'au-delà, et la vie sera terrible, la torture, le tourment sera terrible pour le riche. Il avait tout sur la terre, il avait l'argent, il avait la connaissance, il avait les contacts, il avait tout, mais il n'avait pas Christ. Comment sauras-tu la fin d'un tel homme? C'est la Bible, les instructions de base avant de quitter la terre, qui nous le dit que dans l'au-delà, l'homme, le riche, quand il est mort, il était dans le séjour des morts en affaires, étant dans les tourments au pluriel, tourments, dans le séjour des morts, il leva les yeux, qu'il était en proie au tourment, au pluriel, 1000 ans, dans 100 ans, quand il va vouloir s'accommoder à ces tourments, il y a d'autres tourments qui viennent, 1 million d'années, ça va continuer comme ça. Comment tu sauras cela? Si je n'avais pas ces instructions de base avant de quitter la terre, qui me dit, il faut régler ça avant de quitter la terre, parce que si tu ne règles pas ça avant de quitter la terre, ce sera terrible au ciel. Ainsi donc on nous dit, et il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Verset 24, on nous dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Pourquoi? Riche? Comment est-ce qu'on peut savoir que les riches peuvent prier là-bas? Oh, une prière inutile, une prière qu'on ne peut exaucer. Même la prière, il ne connaissait même pas Jésus. Abraham, aie pitié de moi. Il connaît les noms, monsieur, mais il ne connaît pas. Il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Même comme il a tenté de prier en haut là-bas, il ne priait même pas comme il dit, envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, quand nous sommes dans l'au-delà,
Si quelqu'un meurt, comment je saurai? Comme j'essaie de lui parler ici, il ne m'entend plus. Je le frappe, il ne répond pas. Je le secoue, il ne peut pas répondre parce qu'il est mort. Si je n'avais pas la Bible, comment est-ce que je comprends? Je saurai que quand il va dans l'au-delà, il peut parler. Quand il va dans l'au-delà, il peut voir. Quand il va dans l'au-delà, il va sentir que l'esprit, le corps spirituel qui va dans l'au-delà peut voir et entendre. Comment est-ce que je saurais cela sans la Bible? C'est les instructions de base avant de quitter la terre. Ainsi donc, le monsieur a commencé à dire. Abraham envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchit sa langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous savez, est-ce que vous comprenez cela? Je n'aurais pas compris cela. Instruction de base avant de quitter la terre, que lorsque nous serons dans l'au-delà, nous allons nous rappeler toute opportunité que nous avions eue d'être sauvés. Nous allons nous rappeler tous les messages que nous avons entendus, que tu pourrais être sauvé. Nous allons nous rappeler les contacts que Dieu nous a apporté, les conférences auxquelles nous avons participé, les choses que nous avons entendues, nous allons nous rappeler de tout cela. Abraham lui a dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. 100 ans, de bonnes choses. 1000 ans, tourment. 1 million d'années, tourment. Comparons, pensons un peu à cela. Qu'est-ce que tu as sur la terre? Qu'est-ce que tu as dans ce monde? Combien de livres as-tu lu dans ce monde, sur les affaires, les livres, sur l'entrepreneuriat, les livres sur l'économie, les livres sur la politique, les livres sur la science, tous les livres que tu as lus, si tu rassembles tout ce que tu as lu là, le volume, les chapitres, les paragraphes sont plus grands que la Bible, mais le seul livre qui nous prépare pour des millions d'années d'existence, et pour des milliards d'années d'existence dans l'au-delà, à peine nous le lisons. Mais toute la connaissance que nous allons recevoir en eux vont terminer et finir ici-bas. C'est ça que nous lisons, c'est sur ça que nous nous concentrons. Maintenant, l'homme qui n'avait pas lu cela, qui n'avait pas lu la parole, Abraham a dit, tu es tourmenté et il a les bonnes choses maintenant. Il est consolé et toi tu souffres. Verset 26, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ou de là vers nous. Comment je saurais qu'il n'y a pas de deuxième chance? Comment saurais-je? On dit que c'est Dieu de miséricorde, d'amour, de compassion, que c'est vrai pour nous, comme nous sommes encore ici-bas, avant de quitter la terre. Comment je saurais cela sans la Bible, l'instruction de base, avant de quitter la terre? Maintenant, mais dans l'au-delà, il n'y a pas de deuxième chance. Verset 27. Verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Verset 28. Verset 28. Car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Est-ce qu'ils n'ont pas la Bible, les instructions de base? Ça ne va pas les suffire. Il faut que quelqu'un revienne des morts. Voyez la réponse d'Abraham, verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont les écrits de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont tous ces livres-là, de Genèse à Malachie, qu'ils les écoutent, qu'ils les lisent, lisent leurs paroles, écoutent leurs paroles, croient à leurs paroles.
obéissent à leurs paroles. Verset 30. Et il dit, non, voyez l'homme en enfer. Il est en train d'argumenter encore. Parce qu'il pensait qu'il était encore ici-bas. Parce qu'ici-bas, quand les prophètes parlent aux riches, il dit non. L'économie ne dit pas ça. Quand nous parlons aux gens du monde, ceux qui disent ici, ils disent non. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Prédicateur, non. J'ai l'argent. J'ai les contacts. J'ai ceci, j'ai cela. Les mêmes idées qu'il avait ici-bas. Non, Abraham pas dit non. Moïse parle dit non. Isaïe pas dit non. Même Christ parle. Dans sa parole dit non. Et il continue à dire non, 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 non. N'est de nouveau non. Comment être sanctifié non. L'importance et l'indispensabilité de la sainteté de que non. Non. Père Abraham. Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Il nous fait donc comprendre clairement que cette Bible, c'est celle que nous devons lire. Et nous devons nous être sauvés d'abord. Et après être sauvés, nous pouvons maintenant citer les mêmes versets et la même parole qui nous a sauvés et leur donner cela afin que les autres la lisent à travers nous, lisent avec nous pour être sauvés au nom de Jésus. Et meilleur Amen! Premier point, la Bible. Instruction de base avant de quitter la terre. Il y a trois choses que nous allons voir rapidement. Premièrement, la Bible. Illumination bénie, brisant le mal à vie. La Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est l'illumination bénie et qui brise le mal de longue date. Deuxièmement, la Bible, c'est l'information crue apportant la vie éternelle. Vous croyez à cette information, vous croyez à ce que vous lisez, c'est la Bible, et alors elle t'apporte la vie éternelle. La Bible, troisièmement, c'est l'héritage des croyants au-delà de l'essentiel de la vie. Les essentiels de la vie, il y a des choses dont nous avons besoin pour le corps, la nourriture, l'eau, le feu, la lumière, tout ce dont nous avons besoin sur la terre. Il y a cette Bible-là, c'est l'héritage des croyants qui transcende et va au-delà des essentiels de la vie. Le premier élément, c'est l'illumination bénie, brisant le mal de longue, le mal à vie. Est-ce que la Bible fait pour nous? En Matthieu chapitre 6, verset 13. En Matthieu 6, il nous dit comment prier. Ne nous conduit pas, ne nous induit pas en tentation. Matthieu 6, 13. Ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la prière. Parce que la Bible, essentiellement, nous a été donnée comme l'illumination bénie, qui nous illumine nos cœurs et qui brise le mal de la vie. Quel type de prière faisons-nous? Voyez, si nous faisons prière, nous devons faire de cette prière que ton règne vienne. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. L'Église dit Amen. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, lisons le verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 22. La Bible nous dit, abstenez-vous de tout esprit de mal. C'est la Bible qui nous montre ce chemin-là. C'est la Bible qui illumine nos cœurs, notre personnalité et qui dit ça, c'est mauvais. Le monde ne considère pas ça comme le mal. Et disent, oh,
que c'est les plaisirs de la chair. Le monde ne considérait pas ça comme le mal et dit non. Oh, ce que tu obtiens, la rémunération, même si cela n'était pas donné là où tu travailles, il dit non, ce n'est pas le mal. Il dit, ah, ça, ce n'est pas la corruption, c'est ce que tout le monde fait. Mais c'est la Bible qui te dit ce qui est mauvais, que la corruption est mauvaise, que la cupidité est mauvaise, que les œufs de la chair sont mauvaises. Alors il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et comme vous parcourez la parole de Dieu, la Bible, elle vous donne une illumination bénie, brisant le mal à vie. Deuxième élément dans le premier point, c'est la Bible, information crue, apportant la vie éternelle. Elle vous donne des informations. Ce que vous lisez dans le monde ne marche pas. Si le lion vient et il est dans la rue, oh, il y a lion, lion, lion là-bas. Si vous ne croyez pas à ça, cette information, vous n'allez rien faire à ce sujet. Mais si je dis le plus petit péché te conduira en enfer si tu ne repens pas. Si tu ne crois pas à cela, tu ne mèneras aucune action. Parce que tu ne crois pas. Ce n'est pas ce que nous lisons dans la Bible. C'est ce que nous croyons en la Bible. Dans la Bible qui nous fait sortir du danger, qui nous fait fuir le tourment éternel. C'est l'information crue apportant la vie éternelle. En Jean, au chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, j'ai un grand pécheur, un pécheur terrible, un pécheur sale, un péché privé, pécheur privé, pécheur public. Je pensais que j'étais allé très loin, qu'il n'y a plus de possibilités. Une personne ne peut m'aimer, Dieu ne peut pas m'aimer. Si je vais périr, si j'irai en enfer, que je fasse plus, afin que je sache que ce que je vais endurer, parce que je n'ai pas cru à l'information que la Bible m'a donnée, qui apporte la vie éternelle. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je crois, qu'est-ce que j'aurai? J'ai dit, quand je crois, qu'est-ce que j'aurai? La vie éternelle. Vous savez, si les gens ne croient pas aux informations qui apportent la vie éternelle, ils ont des doutes. Je reçois Jésus comme mon Seigneur Sauveur. Et je pense encore, est-ce que je peux aller au ciel quand je vais mourir? J'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai jeté mes idoles. J'ai jeté les autres choses. Et je fais de Jésus-Christ mon seul Seigneur et Sauveur. Et mon éternité dépend de lui. Est-ce que je peux être sauvé? Je dis, mais pourquoi ne pas retourner à la Bible et croire aux informations qui apportent la vie éternelle. Voyons le troisième élément maintenant. La Bible, c'est l'héritage des croyants au-delà des essentiels de la vie. Au-delà des essentiels de la vie. Vous savez, nos jeunes, ils pensent que les essentiels de la vie, c'est l'or et l'argent, c'est l'argent, pounds et dollars. Ils pensent que les essentiels de la vie, c'est ceci ou cela. Et parce qu'ils pensent que ce sont là les choses essentielles, c'est pourquoi ils courent, ils laissent l'école, ils courent après ce qu'ils appellent les essentiels de la vie. Même nous qui sommes adultes, nous pensons que les essentiels de la vie, oh, c'est construire une maison par ici, construire notre maison de l'autre côté. Oh, si je vais à l'étranger, si j'ai telle maison, nous pensons que ça, ce sont les essentiels de la vie. Ah, quelqu'un peut être dans cette vie et il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et nous oublions qu'il y a un héritage au-delà de la vie, au-delà des essentiels de la vie. Quelque chose de plus important que l'or, que l'argent et l'argent. Et les dollars, pense-t-elle, et la Bible nous révèle l'héritage des croyants au-delà des essentiels de la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Parce qu'il n'a jamais pensé qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a aucun détail pour lui au-delà des essentiels de la vie. Et il court, il court, il court, il court, jusqu'à ce qu'ils brisent leurs os, jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie. Il court après ces choses de la terre, jusqu'à ce qu'ils périssent. Mais
C'est la parole qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose plus grand que tous les héritages et tout ce que vous pouvez avoir sur la terre. En Actes chapitre 26, verset 18. Actes 26, 18. Pour qu'ils ouvrent leurs yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux, nos yeux doivent ouvrir. C'est la Bible qui ouvre nos yeux à ce type d'héritage. Pour qu'ils passent, Actes 26, 18. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Voyez des gens, ils vont à l'église, ils tiennent la Bible dans leurs mains et il y a une Bible dans leur table à la maison. Peut-être il y a aussi une Bible au bureau et ils ont également une Bible sur leur téléphone. Cependant, parce qu'ils ne comprennent pas l'héritage des croyants qui vient du ciel, ils vont toujours vers Satan, vers les idolâtres, ils vont chercher les choses qu'ils peuvent avoir. Des puissances des ténèbres. Ils sont baptisés d'eau depuis l'enfance. Ils sont confirmés dans leur dénomination et ils portent des noms chrétiens. Mais leurs yeux ne sont pas encore ouverts pour se détourner des puissants, de la puissance de Satan à Dieu. C'est lorsque tu es sérieux avec la vie. C'est lorsque tu es sérieux avec ce qui est au-delà de la terre et tu penses à l'héritage des croyants au-delà des essentiels de la vie. Maintenant que tes yeux sont ouverts, et maintenant tu parles de Satan, et tu viens à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage, vous voyez cela, et l'héritage avec les sanctifiés. Nous venons maintenant au deuxième point maintenant. Deuxième point. La Bible, c'est quoi la Bible? Un livre inspiré, béni, qui élève tout le monde. Tous les autres livres que nous avons, que j'ai lu beaucoup de livres en mathématiques, ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Vous lisez le préface, vous lisez l'introduction de tout livre, et il ne vous dira pas. Et ça ne se rapporte pas à la Bible. Ils ne diront pas, ce livre a été donné par l'inspiration de Dieu. Et il est bon pour chaque génération. Et il est bon pour toutes les parties de l'humanité. Non, ceux-là ne sont pas inspirés. Quand vous les lisez, nous devons, si vous avez fait la géologie, vous voulez connaître ce qu'il y a sur les rochers, quel est l'âge des rochers, vous voulez connaître s'il y a du pétrole sous la terre. Ça, nous devons lire ces livres de la géologie, la science sur l'histoire, livres sur la gouvernance. Si je veux gouverner, cependant, il y a un livre plus grand que tous ces livres. Il y a un livre plus élevé que tous les livres. Et ce livre est inspiré. Est appelé la Bible, un livre inspiré, béni, qui élève tout le monde. Voyons, en 2 Timothée au chapitre 3, je vous lis le verset 2 Timothée, toute écriture, ancien comme nouveau testament, toute écriture, ce qui est historique, prophétique, toute écriture, 2 Timothée 3, 16, ce qui est prophétique, non prophétique, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Si nous lisons la Bible très bien, il nous montre notre injustice et il nous conduit à la justice, au juste, au rédempteur qui opère nos cœurs, qui opère dans nos vies et apporte la justice. Et apporte la justice dans nos vies. Verset 17. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, la femme de Dieu soit accompli, soit mature, soit parfait, recréé et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi Ésaïe 34, verset 16 nous dit. Ésaïe 34, verset 16 nous le dit. Et de consulter le livre de l'Éternel, consultez-le, découvrez-le, trouvez-le, cherchez une copie pour vous-même, et de consulter le livre de l'Éternel, Ésaïe 34, 16, et lisez, ne l'ayez pas en main, lisez-le, lisez,
parce que nous avons besoin d'illumination, nous avons besoin de l'instruction, nous avons besoin de l'inspiration de ce livre. Ainsi donc, consultez le livre, lisez-le, et aucun d'eux ne fera défaut. Les proclamations de la Bible ne vont pas faillir, les prophéties ne vont pas faillir, et la puissance dans ce livre qui vient dans nos cœurs ne failliront pas au nom de Jésus. Il dit, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ne manqueront, cela veut dire, ne va pas faillir. La prophétie, les promesses, les proclamations, les prédictions, les préceptes, tout ce qui s'y trouve seront combinés pour accomplir ce qu'ils doivent faire dans nos vies. Et ensuite, il dit, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Rassemblera. Vous voyez, Genèse, Exode, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1er roi, 2 rois. Les auteurs n'ont pas vécu dans la même ville, dans la même époque, dans la même période. Ils ont vécu dans des périodes différentes. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et vous voyez Paul l'apôtre, vous avez l'Apocalypse. Le Seigneur a rassemblé tout cela et ils ont formé une unité complète. Il n'y a pas de contradiction du tout. Parce qu'on dit, que ce soit plusieurs années au temps de Moïse, au temps de Josué, plusieurs années passées au temps de David, avec les psaumes, ou maintenant même au moment de Paul, le même esprit, le Saint-Esprit, qui ne change pas, le Saint-Esprit, qui n'a pas une connaissance inférieure et qui a une meilleure connaissance après. L'Esprit de Dieu les rassemble afin que vous ayez l'unité de toute la Bible. Et il dit, cherchez cela, ayez une copie dans votre main, lisez, appliquez, et croyez, et suivez, parce que c'est le livre inspiré qui élève votre vie. Il y a trois éléments aussi à voir dans ce deuxième. Premièrement, la Bible, le livre qui engendre incorruptible, libérant éternellement. Deuxièmement, la Bible, c'est le livre, le grand livre incomparable, éclairant efficacement. Troisième élément, la Bible, c'est un livre audacieux et inclusif qui dirige et revêt de puissance. Ça, c'est la parole. Parce que nous avons besoin de tout cela dans nos vies avant de quitter le monde. C'est pourquoi nous prenons ce livre, nous lisons ce livre, nous aimons ce livre, nous obéissons aux paroles que nous lisons dans ce livre. Voyons le premier élément, c'est le livre qui engendre de façon incorruptible et libérant éternellement. Quand en réalité, nous nous plongeons dans la Bible, même si c'est un seul verset de la Bible que nous lisons, il y a la vie dedans, il y a la puissance dedans, il y a assez de puissance et qui vous donne assez de grâce. Qui vous libère. Il vous libère maintenant et vous libère éternellement. Il nous dit en 1 Pierre au chapitre 1. Lisons à partir du verset 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, que nous soyons vieux comme Pierre, aussi jeunes comme Timothée, régénérés, nés de nouveau, que nous soyons une femme comme Marie, ou que nous soyons un homme comme Zachée, homme-femme, né de nouveau, régénéré, c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est son esprit, c'est l'homme, l'esprit dans l'homme intérieur, qui doit être régénéré, qui doit naître de nouveau, qui doit naître d'en haut, et il dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole est toujours fraîche. Nos aïeux qui connaissaient le Seigneur, ils ont lu la Bible. Les grands prophètes de l'ancien temps et les grands réformateurs des temps anciens, ils ont lu la Bible. Et maintenant, nous avons la même Bible et elle est aussi fraîche pour nous
comme en leur temps. Parce qu'elle est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu qui est vivante et permanente. Il nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26, il dit, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée, c'est ce que la parole fait. Vous savez, quand j'étais un enseignant, j'avais un groupe de jeunes à qui j'enseignais la parole de Dieu. Et j'ai demandé à un garçon un jour, est-ce que tu as lu ta Bible? Oh, j'ai dit, oui, monsieur, j'ai lu la Bible. J'ai dit, où est-ce que tu as lu? Et il a dit, Jean chapitre 23. J'ai dit, tu n'as pas lu la Bible? Il dit, oui, je l'ai vu. J'ai dit, d'accord. Où moi, Jean chapitre 23? Et Jean n'atteint pas chapitre 23. Et j'ai su qu'il n'a pas lu la Bible. Et je te demande, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Oui, j'ai lu. Qu'est-ce que tu as lu? Jacques chapitre 7. Ah, nous devons la lire et lire la Bible. Et nous allons lire la Bible. Et aider, quand nous lisons cette Bible, aider afin de la sanctifier, nous purifier par la parole après l'avoir purifiée. C'est lorsque nous lisons la Bible qui nous purifie, elle nous lave, elle nous purge, elle nous purifie et elle nous sanctifie. Et tout ce qui est impur, tout ce qui est injuste, la parole que nous lisons, la parole que nous croyons, nous lave. Et tout ce qui ne doit pas être là est enlevé. Verset 27. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Deuxième élément maintenant, le grand livre est incomparable, le grand livre est incomparable, éclairant efficacement. La Bible est grand, un grand livre. Elle parle aux enfants, elle parle aux enfants, aux personnes âgées, ceux qui sont pratiquement sur la voie de l'au-delà. Elle a un message pour tout le monde. Elle parle aux hommes, elle parle aux femmes, elle parle aux noirs, elle parle aux blancs, elle parle à toutes les tribus de la terre. Elle est large, grande, c'est un grand livre, incomparable. Vous ne pouvez pas la comparer à un autre livre sur terre. La Bible, B-I-B-L-E, la Bible, le grand livre est incomparable, éclairant efficacement. C'est ce que Dieu a dit en Ésaïe chapitre 55. Je vous lis le verset 8, Ésaïe chapitre 55. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tous les livres que nous lisons, ce sont les pensées des hommes. Les hommes élevés, les hommes de basse classe, les hommes élevés, les hommes irréfléchis, toute forme de pensée. Les livres que nous lisons sont produits par les hommes. Mais Dieu dit, les pensées de ma Bible, de mon livre, ne sont pas comme les pensées des livres des hommes. Ils sont incomparables parce que ces pensées nous illuminent, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Verset 9, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Il nous dit, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs, et du pain à celui qui mange. Verset 11.
et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche. Quiconque gère la Bible doit faire très attention. Parce que Dieu lui-même dit, ce n'est pas la parole de Moïse, c'est sorti de ma bouche. Et celui-là lui est parvenu comme il a été mon porte-parole. Ce n'est pas la parole de Moïse. Nous devons faire attention. De quels commentaires nous faisons? Ce n'est pas la parole de Paul. J'entends certaines personnes dire, Moïse a fait une erreur en disant cela. Il ne devrait pas dire ça. Fais très attention. Paul a fait une erreur en disant ceci ou cela. Il ne devrait pas avoir dit ça. Fais très attention. Nous, on parvient aux gens, les gens disent, mais Christ a dit ceci. Mais moi, je dis, il veut réclamer une plus grande autorité que Christ. Fais très attention. C'est la parole qui sort de sa bouche. Et il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole sera accomplie dans ta vie. Exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Voyons Psaume. Psaume 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 130. Verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Le troisième élément dans le deuxième point. Le livre audacieux et inclusif qui dirige et revêt de puissance. Le livre audacieux et inclusif. Ce livre inclut tout. Réprimande, la réprimande est dedans, la correction est dedans. Les châtiments aussi pour avoir commis le mal est dedans. Le jugement sur ceux-là qui n'obéissent pas. Et personne ne les voit, personne ne les connaît, personne ne peut rien leur faire. Ah, ce livre inclut toutes choses. Cela inclut notre repentance. Si nous sortons du mal que nous avons commis, il inclut notre régénération qui transforme nos vies après que nous sommes repentis. Il inclut notre justice, ce livre. Là, nous devons vivre la vie droite, la vie sans tache. Si nous voulons voir Dieu au dernier jour, ce livre inclut les déclarations. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ce livre inclut toutes choses. Et cela inclut la vie au-delà. C'est un livre inclusif qui nous dirige et nous revêt de façon puissante en Josué chapitre 1. Dans le verset 7. Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi. Et sois courageux, fortifie-toi sur de mon courage. Par la nature, nous sommes faibles. Si Adam, faible, Ève, faible, c'est pourquoi ils sont tombés suite aux mensonges de Satan. Et depuis ce temps, si vous naissez dans ce monde, nous pouvons être courageux dans notre chambre, mais quand nous sortons de là, je vais dire ceci et dire cela. Mais finalement, quand vous sortez, vous arrivez là-bas, vous comprenez que votre faiblesse, ah, je vais tenir ferme. Et je n'aurai pas une colonne vertébrale brisée, mais je vais tenir ferme. Mais quand tu sors au dehors, tu vois combien de fois tu es faible. Je ne vais jamais fléchir. Ils vont amener l'argent, ils vont amener ce qu'ils veulent, ils vont envoyer des hommes de contact pour me dire de changer et de suivre telle direction. Non, c'est ça qui apporte la corruption dans notre pays. Je vais tenir. Mais finalement,
la société, ils voient que tu es audacieux de celui-là. Il va distraire tout le monde de la voie nous voulons. Si les gens comme ça se multiplient dans notre pays, cette corruption, ce que nous mangeons, ne va. Alors, ce qu'ils mangent, ils viennent vers toi avec ça et disent, l'homme qui est plus grand que nous, qui est plus grand que nous tous, a dit de te donner ceci. C'est quoi ce qu'il y a dans cette enveloppe-là? C'est 100 millions. Ah, hein? Je n'avais jamais vu 1 million dans ma vie. Hein? Et ces gens-là envoient 100 millions. Quel est l'objectif de 100 millions que vous envoyez là? Il a dit de cesser de faire du bruit. Bruit? Ça veut dire quoi? Ah, tu sais, non? Tu cries à la radio, tu cries à la télévision. Il dit d'arrêter ça. 100 millions. Ils disent, est-ce que tu vas prendre ça? Il dit, d'accord, je vais prendre ça. Je vais prier plus tard à ce sujet. Pourquoi ne pas prier d'abord avant de prendre ça? Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts. Tu vois l'argent. Et ça ôte notre force. On voit l'homme, plus grand homme, qui vient nous parler. Et nous changeons. Mais maintenant, c'est la parole qui sera plus forte. Elle va fortifier ta pensée. Elle va fortifier ta colonne vertébrale. Parce que c'est le livre audacieux et inclusif qui dirige et revêt de puissance. Alors Dieu a dit à Josué, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, il dit que ce livre de la loi, tout le livre de la Bible n'était pas achevé, maintenant il est achevé. Nous allons lire ça maintenant. Que ce livre de la loi du Seigneur, du commencement, ce livre du Seigneur, du début jusqu'à la fin, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je vois des gens qui réussissent devant moi. Et c'est ce livre qui est audacieux et un livre inclusif qui nous conduit à la puissance du Seigneur. Le Seigneur le fera au nom de Jésus. Romains 16, verset 4. Romains 15. Romains 15, 4. Voyons ce que la Bible nous déclare. La Bible a été écrite pour nous. Ce n'est pas pour que nous laissions la Bible sur le podium. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Et nous laissons la Bible, et quand nous laissons, tout est ouvert à tout moment, dans chaque domaine de notre vie, dans chaque compartiment de notre vie. C'est ce livre que nous lisons avant le petit déjeuner, la Bible. Avant le souper, avant de dormir, c'est les Écritures. Vous l'avez en vous. Il vous guide. Il vous motive et il vous conduit là où vous devriez être. Parce que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit, écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tu auras l'espérance. Et c'est la Bible qui nous donne l'espérance. Vous pouvez lire tous les autres livres
que nous donnons en mathématiques, quand on enseigne la mathématique, vous les parcours, vous êtes triste, vous êtes attristé, vous êtes chagriné, vous êtes endeuillé. Allez dans ces livres de mathématiques, ouvrez-les. S'il n'y a pas d'espérance là-bas. Il n'y a pas d'espérance là-bas. Allez dans ces livres qu'on vous a donnés à l'école, les livres programmes, même les recherches que les gens donnent. Vous pensez à l'avenir. Oh, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il y a pour moi quand je mourrai? Allez dans ces livres. Cela ne vous donne pas d'espérance. Ce que ça vous donne, c'est la méthodologie du travail, de la lecture. Comment avoir le sable, le ciment pour construire? Mais c'est la Bible que nous avons dans nos mains. Quand vous êtes attristé, quand vous êtes chagriné, quand vous êtes détresse, vous êtes rempli de détresse, vous avez de l'espérance. J'ai l'espérance. Vous savez pourquoi les gens commettent le suicide? Ils sont désespérés. Ils ont perdu d'espoir, plus d'espoir. Et ils lisent tous les livres qu'ils peuvent lire sur la terre. Et il n'y a pas d'espérance. Ils se disent, ah, ce n'est pas la peine. Pourquoi ne pas lire la Bible? Cela va ôter la dépression de votre vie. Cela va ôter l'anxiété de votre vie. Cela va ôter toutes les choses qui vous oppriment, ôter tout. Quand vous avez la Bible et la parole de Dieu, et vous ouvrez et vous lisez, cela vous donnera l'espérance. J'ai de l'espérance. Où est l'espérance? C'est dans la Bible. Et vous aurez l'espérance. Vous ne mourrez pas à la place de quelqu'un d'autre. Troisième point maintenant. Troisième point, la Bible. L'instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées. L'instructeur illimité, c'est la parole qui nous instruit et qui nous donne des expériences, bénédictions illimitées. En Romains chapitre 5, verset 4. Romains 5, verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Verset. Et cette victoire, l'espérance, verset 5, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En 2 Pierre, au chapitre 1, 2 Pierre 1, à part du verset 3, 2 Pierre 3, 1, 2 Pierre 3, 1, selon que ça. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Ouais, parfois nous sentons vide. Parfois nous nous sentons que nous n'avons rien. Parfois nous pensons que nous n'avons pas ce qu'il faut pour vivre, pour mener la vie que nous devrions mener, pour la gloire de Dieu et pour aller au ciel. On nous dit qu'il a la puissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. Comment savoir ce que j'ai? Comment savoir ce qu'il m'a donné? Si je ne lis pas le livre, comme nous avons l'histoire d'une femme. Le mari était mort, le mari lui a donné des milliers de dollars. Et c'était sur un papier. Et la femme, après la mort du mari, a pris le papier et elle a dit, ce serait un bon souvenir de mon mari. Et elle a mis ça elle a encadré ça. Elle a mis ça au mur. Elle mourait dans la faim. Jusqu'à ce que Spurgeon vienne la visiter. Parce qu'elle était membre du tabernacle de l'église de Spurgeon à l'époque. Quand Spurgeon est venu la visiter, il a regardé le mur avec le papier encadré, bien propre, accroché au mur. Il dit, Madame, est-ce que je peux prendre et voir ça? Il dit oui. Elle a pris. Il a pris ça et a lu et a vu des milliers de dollars.
déjà donné à cette femme par le mari et s'était accroché au mur, bien encadré. Il a dit, madame, est-ce que je peux prendre ça pour quelques jours? Je vais étudier ceci. La femme a dit, après tout, il était son pasteur. Spurgeon l'a amené à la banque. Il a dit, regardez ceci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ils m'ont dit, ah, on cherchait cette femme il y a longtemps. Elle a tous ces milliers de dollars qui lui sont donnés pour mener une vie confortable pour le restant de sa vie. Mais elle a encadré ça et a accroché ça au mur. Spurgeon est revenu à la femme pour dire, femme, tu sais ce que ce papier veut dire? C'est de l'argent pour toute ta vie et c'est pour toi complètement. Mais elle ne le savait pas. Combien parmi nous avons tout l'héritage que Dieu nous a donné par sa puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous avons encadré ça. Oh, j'ai une vie propre, j'ai une vie, grande Bible avec concordance et bien encadrée. Et on ne lit même pas pour voir les richesses de la gloire que Dieu a préparées pour toi dedans, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Pourquoi est-ce que je parcours la vie avec la nature de mon père terrestre? Homme militant, mais colérique. Et quand il se fâche, beaucoup de choses peuvent être gâtées. La nature de notre père et la nature de notre maman. Oh, ta maman, femme vraiment gentille. Mais quand elle se sent comme ça, là, pour punir le mari, et elle sait ce qu'il faut faire pour punir et tourmenter le mari. Et nous trimballons ça, la nature de notre père, la nature de notre maman, la nature des gens de notre tribu. Notre tribu, ils ne laissent rien passer. Quiconque fait ceci, peu importe la personne, voici ce que nous faisons toujours. Tu m'as insulté, d'accord, dans notre tribu. Quand tu insultes quelqu'un dans notre tribu, ils vont te rendre l'appareil. Bientôt ou tard, tôt ou tard. Pourquoi trimballer la nature de notre tribu autour de nous? Je suis Nigérian, je suis Africain. Et ces gens-là, ils pensent qu'ils sont plus sages. Et nous avons étudié leurs médias, leurs technologies. Et nous arrivons à infiltrer. Nous avons la connaissance de leur part. Et maintenant, nous pouvons maintenant. Allez, pourquoi est-ce que vous trimballez la nature qui déchue, lorsque dans notre Bible, ici, la révélation est, il nous a donné la nature divine. Il va te donner la nature divine. J'ai découvert que lorsque quelqu'un se sent sale et l'habit qu'il porte couvre la saleté, il veut sortir propre. Qu'est-ce qu'il faut? Il ôte l'ancien habit. Il va se laver. Et après s'être lavé, il ne prend plus l'habit sale. Il porte une nouvelle tenue. Si nous voulons avoir la nature divine, nous devons nous débarrasser de la nature humaine, de la nature colérique, de la nature de cupidité, la nature tribale. La nature d'inquiétude, la nature violente. Nous devons nous en débarrasser et maintenant revêtir la nature divine. Et nos vies seront surnaturelles. Nos vies seront merveilleuses. Parce que maintenant, il nous a donné la nature divine. Et pour que nous fuyions la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Il y a trois éléments à considérer rapidement. Premièrement, la Bible. Croire aux béatitudes instructives vécues partout. Partout où nous allons, nous portons la Bible dans nos cœurs et nous nous comportons comme les instructions des béatitudes partout où nous allons. Deuxième élément, porter
Les béatitudes impérissables loyalement chaque jour. C'est la Bible dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre tête, sur notre langue, dans notre personnalité qui porte les béatitudes impérissables loyalement partout. Et troisième élément, bâtir des béatitudes croissantes avec amour chaque jour. Premier élément, croire aux béatitudes instructives vécues partout. En Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu 5, 3. Heureux ceux qui ont le cœur, heureux les pauvres en esprit, pas les orgueilleux. Heureux les pauvres en esprit, pas ceux qui sont gonflés d'esprit. Ah, ils connaissent tout et on ne peut pas leur parler. Ils ont tout et vous ne pouvez rien leur donner. Ils ont tout vu et vous ne pouvez rien leur montrer. Ceux qui sont enflés d'orgueil, enflés, mais heureux, les pauvres en esprit, ils sont humbles, ils sont réceptifs et ils reçoivent. On dit heureux, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, heureux, les affligés, ce n'est pas des gens qui se moquent du péché, il se rit de la nature satanique. Et quand nous disons péché, en anglais S-I-N, c'est la nature, c'est Satan en nature. Si Satan n'était pas venu dans ce monde pour impartir sa nature à quiconque, nous allons mener une vie de justice, mais Satan est venu. Et maintenant, nous avons la nature de Satan en nous. Et pour cela, nous avons le péché. Il y a des gens, quand ils pêchent, quand ils commettent le mal, vous leur parlez de façon gentille. Ce n'est pas juste ce que tu fais. Et ils rient. Et disent, ah, en vieil homme. Oh, ancienne école de pensée. Il ne sait pas que le temps et le monde ont changé. Il parle toujours de Satan en nature. Il se moque de ce péché. Il ne se repente pas. Il rit. Ils disent, si tu penses que c'est le péché, tu n'as encore rien vu. Et ils font plus. Ceux-là ne sont pas heureux. Ceux qui sont heureux sont ceux qui sont affligés. Ah, heureux les affligés, car ils seront affligés. Le Seigneur va te consoler. Verset 5. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Et en disent, oh, ils sont plus gentils. Ces jours, nous, la jeune génération dans le monde, nous allons prendre le monde. Ah, il n'y a aucune bénédiction là-bas. Toutes ces choses que nous avons ne vont jamais satisfaire ton homme intérieur. C'est pourquoi après plusieurs choses, ils se vont, la satisfaction n'est pas là-bas. C'est quand tu viens, et tu viens avec les pauvres en esprit, et tu viens en étant débonnaire, et que tu es humble, doux, avant, tu es, et dis heureux. Car ils feront quoi? Heureux, les débonnaires, car, dites-moi, je pensais, avant de lire la Bible, que ceux qui courent plus vite, ceux qui sont rapides à saisir ceci, à saisir cela, ils doivent hériter la terre. Et nous n'avons rien à hériter. Le Seigneur dit non. Ils vont mourir avant d'hériter même quoi que ce soit. Mais ceux qui sont doux, qui suivent le Seigneur, et suivent de leur cœur, ils ont une nouvelle nature. Ils ont une nature régénérée et ils suivent celui qui a dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et
Nous donnons du repos pour vos âmes. C'est ceux-là qui vont hériter la terre. Heureux, les débonnaires, quand ils hériteront la terre. Matthieu 11. Il dit, prenez mon joug sur vous. Est-ce que vous avez le joug de Christ sur vous, qui vous guide, qui vous conduit, qui contrôle vos pensées, les paroles de votre bouche, qui contrôle la direction de votre vie, où vous êtes une personne, vous vous levez seulement. Où est le facteur qui contrôle de la présence du Seigneur dans votre vie? Et après, quand je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Deuxième élément maintenant. Portez les béatitudes impérissables loyalement chaque jour. Portez cela comme du fruit. Donnez cela dans vos interactions avec les gens, avec sa béatitude. Matthieu 5. Verset 6, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dites Amen. La personne moyenne, pasteur, prédicateur, les gens qui sont dans la queue ont faim et soif des choses de cette vie. Ont faim de l'argent, des choses matérielles. Ont faim. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif. Verset 7. Heureux les miséricordieux. La vie de Christ était pleine de miséricorde. La femme est venue de Syrophénicie. Aie pitié de moi, fils de David. Le mendiant assis au bord de la voie. Aie pitié de moi, fils de David. Et on nous dit. Père miséricorde, Père et miséricorde, Père et miséricorde, Père et miséricorde. Cependant, ceux qui ont suivi la miséricorde de Christ, plus de miséricorde, je vais leur rendre ça. J'ai essayé de lui dire, obéis-moi. Et nous disons, Monsieur, Dieu est la première autorité et nous obéissons à Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Tu ne vas pas m'obéir. Ah, pas de miséricorde. Aie pitié, non. Donne-nous la chance. Donne-nous la liberté d'obéir à notre Dieu. Tu ne peux pas nous amener au ciel. Tu ne peux pas nous fermer la porte de l'enfer. Seul le Dieu des cieux. Et nous cherchons sa miséricorde. Afin que nous ayons la miséricorde de Dieu. Je prie que la miséricorde du Seigneur ne t'échappe pas au nom de Jésus. Et après avoir eu la miséricorde du Seigneur, sois miséricordieux. Dans le langage, sois miséricordieux. Dans les actions de ta vie, sois miséricordieux. Parce que heureux, les miséricordieux, car ils, dites-moi, ils obtiendront miséricorde. Comment est-ce que tu traites ta femme? Tu vas ici par là, comme si tu étais dans un camp militaire. Sois miséricordieux, non? Comment est-ce que tu traites ton mari? Tu mords et tu fais tout ce que tu veux. Sois miséricordieux, non? Comment traites-tu tes enfants? Miséricorde. Comment traites-tu tes voisins? Miséricorde. Une personne qui dit, je suis chrétien, ça veut dire que tu as Christ au-dedans de toi. Lui, il est miséricordieux et la compassion dans tout ce qu'il, partout où tu vas, qui est la miséricorde. Heureux
les miséricordieux, car toi, tu obtiendras miséricorde. J'ai dit toi, tu obtiendras miséricorde. Si tu dois être miséricordieux, tu dois cesser d'être agressif. Tu dois cesser de te balader et de vivre dans la colère. Et tu rabaisses, tu fais tomber celui-ci. Tu peux facilement nous dire, laisse-moi passer. Tu ne dois pas nous pousser. Tu peux nous dire gentiment ce que tu veux. Nous sois bien disposés d'aider et de donner. Au lieu de demander, est-ce que je peux passer? Est-ce que vous pouvez me laisser le chemin? Je veux essayer d'attirer ton attention. Est-ce que tu peux faire ça? Tu ne nous poses aucune question et tu nous bats seulement. Ça, ce n'est pas de cette manière que quelqu'un qui a Christ et les béatitudes en lui se comporte. Heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Dans le verset 8, heureux, ceux qui ont le cœur pur. La pornographie souille notre cœur. Heureux, ceux qui ont le cœur pur. Toutes ces histoires, ça, dans la boutique du coiffeur, quand le coiffeur est en train de couper tes cheveux, te raconte des histoires sales, sales. Et tu restes là à écouter. Et toutes ces choses sales entrent dans ton cœur. Heureux, ceux qui ont le cœur pur. Tu vas, en tant que femme, sœur, et celle qui est en train de te tresser et en train de te raconter ces blagues qui ne sont même pas dignes. Chrétienne, oh, heureux, ceux qui ont le cœur pur. On le voit dans la nuit. Grand Bama est en train de raconter des histoires, histoires, histoires. Et ces histoires n'édifient pas le cœur. Et on est assis là-bas. Et on ne dit pas à grand-maman, par respect, maman, ces histoires-là ne vont pas aider les jeunes cœurs heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que nous voyons Dieu au dernier jour au nom de Jésus. En Hébreu, au chapitre 12, verset 14, Hébreu 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Quand tu retournes au service, rappelle-toi cela. Recherchez la paix avec tous. Administrateurs, gestionnaires, dirigeants. Nous ne devons pas oublier que nous sommes là brièvement. Nous allons à un lieu qui ne prendra pas fin. Alors ne permettons pas à ce temps bref que nous passons au bureau, dans la société, de nous arracher le ciel. Recherchez la paix avec tous. Et dites-moi la suite à haute voix. Vous savez, parfois, certaines personnes essaient de nous faire peur, de mentionner la sainteté, de dire, ah, c'est une assemblée générale, alors s'il te plaît, réserve la sainteté pour ton petit groupe, là où tu prêches chaque fois. La sainteté, c'est pour ceux qui veulent voir Dieu. Qui veut voir Dieu ici au dernier jour? Amen. Tu verras Dieu. Heureux. Ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Et il nous dit, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne, paix, aucun apôtre, aucun évêque, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun fondateur d'une église, d'aucune dénomination ne verra Dieu. Sans la sainteté dans le cœur, la sainteté à la maison, la sainteté en privé. Lorsque tu es là en tant que femme et tu es avec un homme et il n'y a personne d'autre là avec toi. Quand tu es là-bas en tant qu'homme, avec une femme et il n'y a personne d'autre là. Et Dieu est en train de tout enregistrer. L'église ne saura pas. Ah, il pensait qu'il, quelque chose qu'il a fait en privé, en public, il pensait, ah, j'ai l'autorité, je peux faire toute chose. Jusqu'à ce que la main est venue. Vous connaissez l'histoire, compter, peser et trouver léger. En ce jour-là, il a quitté la terre.
mais il n'avait pas lu, il n'a pas connu la Bible. Heureux, les instructions de base avant de quitter la terre, il est allé dans une éternité perdue. Et nous voici, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Toi, tu verras le Seigneur au nom de Jésus. Partout, tu n'étais pas en paix avec les gens, en paix avec ta femme, retourne à la maison. Et même si tu pensais que tu avais raison, qu'elle avait tort, dis je suis désolé. Elle n'avait jamais entendu ça de toi avant. Elle aussi dira, oh mon mari, moi aussi j'ai mes fautes, je suis désolé. Faites la paix, faites la paix, faites la paix. Ensuite, la sanctification partout où tu vas. Sois conscient que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et c'est baga, baga, baga. Cette attitude, cette disposition colérique-là, débarrasse-toi de ça et recherche la paix partout. Afin que tu vois le Seigneur au dernier jour, au nom de Jésus. Troisième point, troisième élément maintenant, dans le troisième point, bâtir des béatitudes croissantes avec amour à tout moment, partout. Matthieu 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Il dit heureux. Ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux. Ceux qui sont persécutés pour la justice, vous devez comprendre, par la grâce de Dieu, vous êtes sauvés. Et avec que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est de la bouche qu'on confesse pour le salut. Parce que maintenant, tu as la justice imputée et impartie dans ta vie. Il y a des gens qui pensent que tu es étrange. Parce que tu ne cours pas après les choses qu'ils cherchent, tu es étrange. Et ils te persécutent maintenant. Si la persécution ne t'enlève pas la justice de ta vie et tu demeures juste, tu es insulté, tu es juste. On te brutalise, tu demeures juste. On te punit, tu demeures juste. Tu es dribblé par-ci, par-là, tu demeures juste. Alors, ce sont ceux-là qui auront la bénédiction. Mais pendant qu'on te persécute, tu dis, ah, ça, c'est quoi le problème? Je sais qui je suis, hein. Je connais ma position dans la société. Celui-là, n'eût été à cause de la chrétienté, ne pourra même pas me parler comme ça. Et tu rejettes la robe de justice et tu remets l'autre robe. Maintenant viens, je vais te montrer que je peux être aussi méchant que toi. Et tu sors la nature méchante que nous avons déposée, ensevelie. Tu n'es plus juste. Si Christ venait te rencontrer dans ces conditions, tu ne diras pas heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume de Dieu est à eux. C'est ceux-là qui demeurent justes. Malgré la persécution, malgré la pression et malgré la mauvaise représentation, tu demeures juste. Tu ne permets à l'action de personne autour de toi de t'enlever la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 16. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi. Amen. Que votre lumière luise ainsi. Vous savez, dans les temps anciens, peut-être dans certains endroits maintenant, ils avaient de lampes et ils mettaient de la. Aussi longtemps que l'huile est dedans, la lumière continue à briller. Et ils mettent la lumière là sur un lieu élevé
pour illuminer tous ceux qui sont dans la maison. Aussi longtemps que nous demeurons des épouses vierges, et nous avons l'huile dedans, et l'onction, et la lumière brille jusqu'à ce que le jour glorieux vienne. Mais les vierges insensées, les choses de la vie, ont desséché l'onction, l'huile, et elles ont la lampe, elles ont la profession, elles ont le nom de leur église, ils ont la dénomination, ils ont le titre, la lampe est là, mais l'huile est épuisée, plus d'huile, plus d'onction. Et ils ne vivent pas de manière à montrer que l'huile est là et que la lampe brille. Et Christ vient. Et l'annonce est faite. Et voici, l'époux est venu. Allez à sa rencontre. Ils essaient d'allumer la lumière. Mais les cinq vierges insensées, les cinq personnes religieuses insensées, ayant la profession, ayant la lampe, ayant les noms chrétiens, ayant les titres chrétiens, ayant le ministère chrétien, mais la colère s'est emparée de leur vie, la cupidité s'est emparée de leur vie, et ils n'arrivent pas à briller dans la justice du Seigneur. Jésus lui-même a dit, ces vierges insensées n'iront pas dans le royaume. Les sages entreront et la porte sera fermée. Et ceux qui n'avaient pas l'huile normale étaient allés en acheter. Il y a différents types d'huile. Il y a tel grade, mais là, ils peuvent trouver quelque chose. L'huile, ils sont revenus avec l'huile et frappés à la porte. Ouvre-nous la porte, ouvre-nous la porte. Et le Seigneur de l'intérieur a dit, qui êtes-vous? Oh, on t'attendait. Oh, je ne vous ai jamais connu. Je prie que tu sois prêt. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Si je suis né de nouveau, ma femme doit le voir et le dire. Cet homme est différent de celui que je connaissais avant. Ma soeur, si tu es née de nouveau, ton mari, la personne la plus proche de toi doit savoir que votre lumière luise devant les hommes. Elle va luire à la maison envers votre mari. Ce n'est pas seulement que vous trimballez la Bible, pas seulement que vous parlez en langue. Il verra dans votre vie. Et si vous êtes né de nouveau, votre employeur saura, ceux qui travaillent avec vous sauront, vos élèves savent si vous êtes un enseignant né de nouveau. Ils le sauront. Les membres de votre église sauront si l'évêque est né de nouveau, si l'archevêque est né de nouveau, si le prédicateur est né de nouveau, parce qu'ils verront. Ses attitudes sont différentes, son langage est différent, son ministre, sa prédication est différente, ses interactions sont différentes. Si l'homme demande d'argent est différente, ils sauront si Christ, lui, ma lumière va luire. Et partout tu vas, avant que tu n'ouvres la bouche, ils vont même vouloir t'écouter. Parce que l'huile est là, l'onction est là, la lumière est là, la béatitude est là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, bon amen. Si mon œuvre ne glorifie pas le Père qui est dans les cieux, je travaille en vain. Si tes œuvres ne glorifient pas notre Père qui est dans les cieux, quand les gens te voient, ta vie, ta position, tes actions, et la seule chose à laquelle ils pensent, oh, nous te louons Dieu pour avoir fait ceci à travers cet homme. C'est en ce moment-là que tes œuvres et ta vie glorifient Dieu qui est dans les cieux.
que l'onction est réellement fonctionnelle et l'onction va agir dans ta vie. La Bible sera transférée dans ta vie. La lumière de la Bible va briller à tout le monde que tu rencontres au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Que le Seigneur lui-même agisse dans ton cœur et dans ta vie, afin que le royaume se reflète dans ta vie.